toi. Afin de limiter votre attente, merci de bien vouloir préparer votre commande ainsi que votre. Sushi, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Écoutez, je suis bien au sushi là. À Metz, oui. Ouais, alors exactement. Écoutez, hier soir, j'étais venu chercher des sushis avec ma femme. Oui. Et dans un des sushis, donc, on a trouvé dans le sushi, je vous dis bien, une insertion tactique. Une quoi? Une insertion tactique. On a essayé de la faire fonctionner, mais elle a pas marché. J'ai pas, je veux dire, je. J'ai rien compris, monsieur. Une quoi? Une insertion tactique. Donc, comme je vous disais, ma tactique. Femme. Tactique. Tactique. Oui, exactement. Ok. Donc, comme je vous disais, je poursuis. Donc, oui. Ma femme l'a essayé. Mais qu'est-ce que c'est qu'une insertion tactique? Bah écoutez, c'est ce que j'ai trouvé dans votre dans le sushi. Mais je veux dire, qu'est-ce que c'est en français? Ben c'est une insertion tactique, je veux dire, je vois pas comment on appelle ça, vous savez, c'est ce bâton lumineux qui a des bouts qui fait des étincelles. Non. Ben non. C'est ce que je dis, donc comme je vous expliquais, alors écoutez, ma femme a essayé de l'activer. Ouais. Allô? Ouais, je vous écoute, ça m'intéresse beaucoup. D'accord. Alors, comme je vous disais, ma femme essaie de l'activer. Elle s'est suicidée et donc elle n'a pas réussi. Oh là 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 là. Mais donc, qui fait, monsieur? Qui fait au téléphone? Qui fait au téléphone? Non, parce que c'est pas drôle. C'est pas drôle, monsieur. Oui, vous m'entendez? Allô? Oui, allô. Oui. Alors, ma femme s'est suicidée. Elle a essayé de réapparaître sur insertion, mais ça n'a pas marché. Non, mais monsieur, vous me racontez des histoires, là. Vous racontez n'importe quoi. Pardon? Bah ouais. C'est votre restaurant de sushis, alors moi je sais pas, j'ai commandé des sushis. Non mais attendez, votre femme. vous me dites que votre femme s'est suicidée avec quelque chose qui avait dans votre sushi. C'est un délire. Je comprends rien. Bah non, elle a crié Semtex. Elle a essayé. Ensuite, l'insertion, eh ben, elle a pas marché, elle n'est pas réapparue. Du coup, on se demandait si on pouvait se faire rembourser. C'est mais possible. Attendez. Ma femme et moi, comme elle a réapparu finalement, parce que j'avais une deuxième insertion en poche, c'est possible de se faire rembourser. Mais monsieur, oui écoutez, vous savez quoi? Non, mais vous allez me dire, oui. j'ai rien compris à votre histoire, c'est ça, rien. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que d'accord, vous parlez alors, français, écoutez, monsieur. Allô oui, oui. Oui, monsieur. Donc écoutez, je vais reprendre depuis le début. Hier soir, ma femme et moi, on est venu chercher des sushis dans votre. Un rue Gambetta, un lit de sushis. Exactement. À Metz, c'est ça? Oui, c'est voilà, ça. Voilà, parfaitement. Donc on est venu chercher des sushis. Et à l'intérieur d'un des sushis, ouais. On a trouvé une insertion tactique. Mais monsieur, qu'est-ce que c'est que ça? Premièrement, qu'est-ce que c'est une insertion tactique? Alors c'est le bâton, vous savez, le bâton lumineux qui permet de réapparaître quand on se fait tuer. Ça a des étincelles. Excusez-moi. Monsieur, faut arrêter. Faut arrêter cette blague-là. Ok, monsieur, écoutez, vous savez, on va faire un truc. Je vais rappeler, je vais me calmer, je vais vous refaire le canular et vous allez jouer le jeu, ok? Attends. Non, je ne veux pas partir comme ça sur une défaite, c'est pas possible. Je vais vous passer quelqu'un d'autre pour la prochaine fois. D'accord, ça marche. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Vas-y, attends. Allô? Oh, afin de limiter votre attente, merci de bien vouloir préparer. Allô? Sushi, bonsoir. Ah oui, bonsoir monsieur. Écoutez, c'est vous que j'avais au téléphone tout à l'heure? Oui. Voilà, écoutez, c'est parfait. Écoutez, je téléphone à propos d'une réclamation donc, que j'aurai à faire par rapport à un sushi. Ouais. Alors, vous souvenez un peu le truc qu'on s'est dit tout à l'heure, vous vous souvenez? Oui. Voilà, oui. Nickel. Vous jouez le jeu, hein, ok? Oui. Nickel. Donc monsieur, voilà, la réclamation que j'ai à faire à propos de ça, c'est donc, hier soir donc avec ma femme, on était venu, on a cherché des sushis et on a remarqué, au moment où on était dans la voiture, qu'à l'intérieur d'un des sushis était glissée une insertion tactique par le milieu. Ok. Et donc le souci avec cette insertion tactique, c'est que ma femme directement a souhaité l'utiliser. Donc ce qu'elle a fait, à mon avis, ça a dû être une erreur étant donné qu'elle ne marchait pas, l'insertion tactique, donc c'est qu'elle s'est suicidée au Semtex. Et ce qui s'est passé donc, c'est qu'en voulant réapparaître, ça n'a pas marché. Heureusement, j'en avais une de côté, donc elle a pu réapparaître grâce à mon insertion tactique. Mais normalement, enfin, c'est des choses qui ne devraient pas se passer. Je veux dire, une insertion tactique défectueuse, ça peut être grave au cas où on n'en a pas une de rechange. En effet.
Donc voilà, j'aimerais savoir si vous comptez nous rembourser donc l'insertion tactique qu'on a payée avec le sushi, ou alors éventuellement nous en refournir une par la poste ou dans une autre commande. Ouais, c'est possible. C'est C'est possible, possible. c'est faisable. C'est faisable. D'accord, donc j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des frais supplémentaires pour nous envoyer cette insertion tactique? Non, non, c'est notre faute. Pardon? On va vous la renvoyer gratuitement, c'est notre faute. Ça marche. Je peux demander des petits cadeaux avec? Bah, allez-y. Des clés morts, petit Ok. labo puissante. Ouais. Vous notez? Ouais. Voilà, j'aimerais un système trophie. Ouais. Si possible également un brouilleur. Un brouilleur, ce serait pas mal. Un clé mort, un système, un brouilleur. Une bêtise abondissante. Une bêtise bondissante. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Pardon? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte de petit disque que l'on place au sol, et lorsqu'il y a un mouvement aux alentours de ce petit disque, il Ok, je s'envoie. vais vous en trouver une. Je vais vous en trouver une. Parfait. Donc j'aimerais savoir aussi éventuellement, parce que ça je suis conscient que les gens n'ont pas forcément toujours, des capteurs de mouvement. Ouais, ça ira. Ah, vous avez des capteurs de mouvement? Ouais, Ah, ça c'est. ira. Ok, c'est nickel. Non, non, C'est non, bon, c'est bon, j'abuse pas c'est trop bon. là, ou bien je peux encore demander certains trucs. D'accord. L'Atu Quick Revive, vous le fournissez, ou bien Mastodonte, etc. Ouais, sans problème. Sérieusement, c'est vraiment de fou, hein. Vous pouvez me redire comment s'appelle votre magasin de sushi, enfin votre restaurant. Ah, c'est vraiment un truc de fou. Franchement, c'est vraiment un truc de fou. Monsieur, je vous remercie. Donc, je vais vous laisser mon adresse, histoire que vous puissiez envoyer tout ça. Ou alors, donnez-moi votre adresse email, histoire que je note et qu'ensuite je puisse vous recontacter par email. Sushimess@wanadoo.fr. Alors, sushi, S-U, Mess, mess. S-O-U, S-O-U-C-H-I-E-N-T, sushi, Metz, Ouais. E-N-T, Mess. Metz. M-E-T-Z, Metz. Ouais. Alors, sushi, tout en un seul mot. Ouais. Donc, M-E-T-Z, C'est maquis. arrobase, C'est pas dans la carte. C'est un big roll. Ça, c'est maquis. Saint-Igrol. Saint-Igrol, Igrol, Igrol, je suppose, Ouais. Igrol.fr. Pourrait faire, c'est ça. D'accord, donc je répète, Souchient, Metz, arrobase, Saint-Igrol.fr. Ça marche. C'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, merci monsieur. Alors écoutez, je vais vous recontacter par email et j'attendrai de vos nouvelles. Ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.